صباح الخير عليكم جميعا أصدقائي وصديقاتي المتعلمين والمتعلمات، مرحبا بكم في هذا الفيديو، أتمنى أن يجدكم في أحسن الأحوال. اليوم سنتحدث عن الفيرب أو ما يسمى بالفعل باللغة العربية. كيس كان فيرب؟ شنو هو الفعل؟ ما هو الفعل؟ إذن سنتحدث عن تعريفه، la définition و les différents types، مختلف لي تيب ديالو. يعني الأنواع ديال الفيرب، أنواع الفيرب. حسنا أصدقائي، إذا لنعرف ما هو الفعل. إذا في الفرنسية كما جميع اللغات أو كما les mots se répartissent entre plusieurs classes. À côté du verbe, on trouve le nom. يعني قدام le verbe. شو تيمشيو مع العناصر؟ يعني تيمشيو مع le nom, l'adjectif, l'adverbe, la préposition, etc. D'accord. Et donc le verbe, c'est un mouvement de l'âne, c'est-à-dire le nom, l'ism, l'adjectif, sefa. Et autre chose, l'adverbe, la préposition, etc. D'accord. La définition, on parle de la conjugaison. D'accord. Tsrif diel fel. Le verbe comporte un grand nombre de formes différentes qui sont énumérées par la conjugaison. Ces différentes formes servent à donner des indications relatives à la personne, au nombre, au temps et à l'aspect, au monde et à la voix. Les différentes à l'oral et à l'écrit. Les formes, par exemple, ils travaillent, nous travaillons, ils travaillèrent, travaillaient, qu'ils travaillaient, sont également différentes par les informations qu'elles donnent. D'accord? Et on a aussi le verbe, et là, une fonction verbale. C'est quoi la fonction verbale? Par exemple, dans une phrase, il y a à peu près indispensable d'employer un verbe. Si on le supprime, les autres mots sont privés de lien entre eux. Et il devient difficile d'attribuer un sens à l'ensemble qu'elle constitue. يعني الفعل تعطينا واحد الوظيفة اللي هي مترابطة، بحيث إذا مسحنا شي حاجة، إذا مسحنا شيء ما ربما ما تعطيناش واحد لو سونس اكزاكت. داكور. لو بروفيسور انسيان لا غرامير او زيليف. هاد الجملة هادي، le professeur enseigne la grammaire aux élèves. Cette phrase devient incompréhensible si on supprime le verbe enseigne. La fonction verbale peut, dans certains cas, se trouver réalisée sans la présence d'un verbe. Les phrases sans verbe sont appelées phrases nominales. D'accord? Mon ami, par exemple, mon ami Ziyad, quel champion. D'accord? C'est un, c'est une phrase, comme on l'appelle, nominale. Il n'y a pas d'un verbe ici. Donc, c'est une phrase nominale. D'accord? C'est clair? Oui. Quoi d'autre? Ah, verbe et temporalité. Le verbe les réalités désignées par le verbe ont la propriété de se dérouler dans le temps. Par exemple, le sapin pousse plus vite que la chaîne. Le verbe pousse.
D'accord? Les objets désignés par les noms sapin et chêne sont considérés comme stables dans le temps. Au contraire, le processus désigné par le verbe pousser se déroule dans le temps. Il est par exemple possible en utilisant la conjugaison de la présentée comme nom incompli dans l'exemple choisi. Ou le verbe est au présent, mais on peut le présenter comme accompli dans la phrase ci-dessus. Ou le verbe est passé composé. Par exemple, le sapin a poussé plus vite que la chêne. Vous avez remarqué, le verbe pousse et a poussé, passé composé, et on a le présent. Maintenant, on a passé composé. A poussé plus vite que la chaîne. Très bien. Alors, on parle maintenant de les différents types de verbes. Ces différences présentées du sens et la fonction du verbe pour un autre classement, par exemple. Et on a le verbe auxiliaire, يعني الأفعال المساعدة. On a être et avoir, le verbe auxiliaire. Auxiliaire, هي الأفعال المساعدة. On a le verbe être et avoir. D'accord? Had les deux verbes hado, ces deux verbes, être et avoir, présentent une particularité qui les distingue des autres verbes de la langue. On peut les utiliser de deux façons différentes. Être et avoir, des verbes comme les autres. Les verbes être et avoir peuvent d'une part s'employer comme tous les autres verbes avec le sens et la construction qui leur est propre. Être s'utilise parfois avec le sens d'exister. D'accord? Être sert le plus souvent à introduire un attribut. L'adjectif attribut. La conjugaison est amusante. Farid est médecin. Médecin, c'est un nom attribut. La conjugaison est amusante. Amusante, c'est un adjectif attribut. D'accord? Mon meilleur ami est le président de la République. Alors, mon meilleur ami est, Malo, le président de la République. Donc, le groupe nominal attribue le président de la République. D'accord? Ça, pour le ça c'est pour l'auxiliaire être. Et pour l'auxiliaire avoir, s'emploie avec un complément d'objet. Il indique que le sujet possède. Possède, c'est-à-dire, c'est pour moi, possède, il y en a mille qui ont. Se complète d'objets. Par exemple, j'ai 700 livres de grammaire française. J'ai, un indi, 700 livres de grammaire française. Un complément d'objet. Je ne vois le complément d'objet, mais 700 livres de grammaire français. D'accord? Être et avoir utilisé comme auxiliaire. Être avoir, indépendamment de ses emplois ordinaires. Être et avoir s'utilisent comme verbe auxiliaire et servent à constituer certaines formes de la conjugaison. باش نساعدونا على التصريف ديال الافعال دون لو كونجيغيزون سويفون. داكور. لي فورم دو باسيف سون كونستيتيي بور لي فيرب كي بوف لو ريسيفوار ا لايد دو ليكسيلير اتر اي دو لور فورم سامبل دو بارتيسيپ باسي.
Le café est cultivé dans plusieurs pays d'Afrique. Le café est cultivé dans plusieurs pays d'Afrique. Voix passive. D'accord? Alors le verbe, on a le verbe cultiver. Sadaruri, un auxiliaire. Et ici, le café est, EST, à cultiver, avec accent, en voix passive. D'accord? D'accord. Alors, on a déjà dit que les formes composées de tous les verbes sont constituées à l'aide d'un ou bien d'un des deux auxiliaires, être et avoir, et de la forme simple du participe passé. D'accord? Par exemple, Paul est parti pour Nouakchott, mais il est arrivé à Conakry. Est parti, c'est un passé composé. Et arrivé, c'est un passé composé. D'accord? Alors, les formes composées passives utilisent les deux auxiliaires être pour le passif, avoir pour la forme composée. On a être pour le passif et avoir pour la forme composée. Les formes surcomposées utilisent un auxiliaire lui-même composé à l'aide d'un auxiliaire. Et on a aussi les formes surcomposées passives, à vrai dire, d'emploi très rare, utilisent l'auxiliaire être pour le passif et l'auxiliaire avoir lui-même composé en sorte qu'il y a trois auxiliaires successifs, dont deux en participe passé. D'accord? Alors, c'est un peu compliqué ici maintenant, mais ne t'inquiète pas, il est très très simple si vous avez suivi ce que je veux dire. Par exemple, alors on continue par l'emploi de l'auxiliaire être pour les formes composées. Être est l'auxiliaire des verbes intransitifs qui marquent un déplacement ou un changement d'état d'aboutissant à son terme. Ainsi, aller, arriver, devenir, entrer, mourir, etc. se construisent avec être. Yani, le verbe être, c'est un auxiliaire des verbes transitifs. Des déplacements ou un changement d'état d'aboutissant à son terme. Par exemple, aller, je suis allé. Arriver, je suis arrivé. Devenir, je suis devenu. Entrer, je suis entré. Mourir. Etc. Se conduisent avec être. D'accord? Être est également l'auxiliaire des verbes construits de façon pronominale. Et pour l'accord du participe aussi, l'emploi de l'auxiliaire avoir pour les formes composées, avoir est l'auxiliaire de tous les verbes. Yani avoir, de tous les verbes qui n'utilisent pas l'auxiliaire être, notamment les verbes transitifs. Yani, les qui s'alfo ma être, mais qui s'alfo ma avoir. D'accord? Très bien. Alors, le verbe être utilise l'auxiliaire avoir. Par exemple, l'accident a été très grave. A été. Vous avez remarqué que le verbe a, c'est le verbe avoir. A été. A, c'est le verbe avoir. Été, c'est le verbe être. Vous avez remarqué que le verbe être
utilise, verbe être, utilise l'auxiliaire avoir. Le verbe avoir s'utilise lui-même comme l'auxiliaire. Le livre a eu beaucoup de succès. Le livre, par exemple. Le livre a eu beaucoup de quoi? Beaucoup de succès. Succès. Alors, remarquez que AE, A, c'est le verbe avoir, E. Donc, c'est passé composé du verbe avoir. AE, c'est le passé composé du verbe avoir. C'est clair? Très bien. Alors, on dit aussi le verbe être, le verbe le plus fréquemment employé. Comme auxiliaire, le verbe avoir est plus fréquemment que le verbe être. Cependant, les emplois du verbe être et avoir, d'accord, comme verbe ordinaire, non auxiliaire, sont notamment plus fréquemment que ceux du verbe avoir, en sorte que tout compte fait, c'est le verbe être qui est juste avant avoir. Le verbe le plus fréquemment de la langue française, c'est pourquoi le tableau de liaison apparaît en première place, d'accord. Et on a aussi, on a déjà que être et avoir sont des auxiliaires. Et il y a des verbes qui sont semi-auxiliaires. Nos moussaïdin, mashi moussaïdin, lakin shibh moussaïdin, ou nos dialou. Mashi moussaïdin, ou moussaïdin, fils le waqs. Alors, les semi-auxiliaires, il est commun de considérer comme semi-auxiliaires les sept verbes suivants. Je n'ai pas de moussaïdin ou semi-moussaïdin, nos, nos. Ou mahad les verbes hado, sont des verbes. Il y a sept verbes, c'est bon. D'accord? Wahed, jouj, tlata, arba, msa. Ça, et ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, quels sont ces verbes-là? Alors, il y a le verbe aller. Alors, ça considère comme un verbe semi-auxiliaire. Il y a le verbe venir. Ja'an. Dhahab ou ja'an. Il y a le verbe devoir, asbaha, pouvoir, comme ça, pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Le verbe savoir, arafa, ya'rifo, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez. On a le verbe vouloir. Arada yurido, etc. Je veux, tu veux, il veut. Et on a le verbe faire. Fa'ala, yaf'alu. Je fais, tu fais, il fait. D'accord? C'est clair. C'est bon. Alors, on a sept verbes qui sont semi-auxiliaires. Il y a le verbe aller, le verbe venir, le verbe devoir, pouvoir, savoir, vouloir et faire. Très bien. Alors, les emplois de aller et venir. Normal, c'est dit aller et venir. Aller et venir, suivi de l'infinitif d'un verbe servent à former des pré-phrases verbales temporelles.
marquant le futur proche et le passé récent. C'est qu'on a le bien le futur proche, yani مستقبل قريب et le passé récent. الماضي اللي عدز. Je vais partir. Je vais partir. Le verbe aller. Je vais. Je vais partir. Fais-je me servir le verbe aller. Je vais partir. Alors le verbe aller, fais-je me servir. هذا تنسميوه futur proche. Futur F. P. D'accord? Futur proche. Le verbe venir, كذلك, par exemple, je viens d'arriver. Je viens, قريب نوصل. Je viens d'arriver. Passé récent. Je viens. Je viens d'arriver. Yalla wasalt. Yani yalla wasalt. D'arriver. ER à la fin. Je viens d'arriver. Viens d'arriver, c'est le passé récent. D'accord? C'est clair? Inch'Allah, في الفيديو المقبل سنتحدث عن استعمالات le verbe devoir et le verbe pouvoir et le verbe savoir et pouvoir. D'accord? Et les autres types de verbes, les verbes d'action et les verbes d'état, les verbes transitifs et les attributs, et etc. D'accord? Alors, Inch'Allah, في الفيديو القادم سنكمل على هذا الدرس. إذن إلى اللقاء وفي المرة المقبلة. مع السلامة.